Je suis Benoît Gélin, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université. Alors sur les abeilles domestiques, ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est que pour certaines d'entre elles, vous mesuriez la quantité de nectar qu'il y a dans le jabot de l'abeille. Pour cela, il faut leur faire régurgiter ce nectar dans un capillaire. Dans ce capillaire, il faudra mesurer la quantité de nectar et également nous l'envoyer. Et puis éventuellement que nous, par la suite, on fasse une analyse de la quantité de pesticides contenus dans ce nectar. Donc on va procéder au prélèvement de nectar situé dans le jabot de l'abeille et au préalable, il faut l'endormir avec un peu de CO2. Donc une fois que l'abeille est bien endormie, on peut ouvrir le petit tube, on la fait tomber et là, on va la prendre tout doucement par l'abdomen et on va presser. Et voyez la goutte de nectar qui arrive, elle l'a mise dans ses pattes et avec le capillaire, on va pouvoir récupérer ce nectar. Donc une fois que le prélèvement est fini, et ben l'abeille se réveille, vous voyez, elle commence déjà à bouger les antennes et la langue. Et à ce moment-là, et ben, on la laisse s'en aller. Peut-être pas s'envoler tout de suite. Hein. Donc ensuite le capillaire, une fois qu'il y a le nectar à l'intérieur, on va le mettre dans un Eppendorf et on va pouvoir l'envoyer aux scientifiques pour une analyse en labo.